Bon, conférence politique, commission pour chercher une solution haïtienne à crise là, qui était programmée ailleurs pour jeudi, pas arrivé fête. Commission expliqué qu'il y a une tentative de boycottage à cause, il n'y a pas arrivé jeune hôtel pour organiser événement si là. Dernier hôtel qui était accepté a désisté dans la dernière minute. Cependant, Magali Georges a annoncé, il y a pour organiser le demain samedi, syndicat haïtien bail garanti, il n'y a pas prévu ni pour choisir pour, ni pour un ministre, ni prochain président, mais c'est juste pour jouer un accord politique. Capable définir marche à suivre pour nouveau dirigeant qui parle dans tête payant après assassinat président Jovenel Moïse côté Magali Georges dans micro Jonas Doriska. Non, on dit on a parlé de une commission chercher une solution haïtienne à la crise et donc ça déjà ça est en train de faire des monde qui envie à l'école. Donc, qui fait, donc, nous avons programmé une conférence, c'est vrai, nous avons fait sûr, et puis quand nous prend espace, nous avons pris faire conférence, hein? Nous avons fait les jours d'hier, annulé à la dernière minute. Oui, comme ça, tout, il y a des gens qui... Bon, ça se comprend parce que c'est quand même assez différent de parler de solutions haïtiennes à la crise, vous comprenez? Donc, on parle là, même pas que nous avons pris le temps pour nous habituer avec lui. Et donc, nous avons pile organisation, nous avons des partis politiques qui travaillent avec nous. Donc, nous avons dit notre travail. Donc, ce travail qui est nouveau, n'a pas avancé, n'a pas rencontré tout acteur. Mais ce qui est sûr, que samedi, conférence n'a pas fait pour chercher solution haïtienne à la crise. Ça veut tout ce travail et m'a assuré, auditeur et auditrice, mais Gaïo. Et conférence, ce n'est pas une conférence qui pourra choisir qui est le président, qui est le premier ministre. Nous ne pouvons pas traîner les pays là. Ce n'est pas là. Nous sommes à côté, côté nous avons construit un consensus ensemble. Et puis, côté nous avons remis la population souveraine telle pour choisir parce que nous ne pouvons pas traîner dans un chambre d'hôtel pour nous dire qui est le président, mais qui est le premier ministre. Donc, c'est une vaste consultation qu'a faite. Nous avons construit alors, propositionnement, pas de nom. Propositionnement, c'est qui ça? C'est méthodologie pour choisir mon saio. Nous allons parler de contenu de transition. Et puis, l'ultime mettre le contenu pour nous conduire. On va se battre en construction. C'est bon, on va tout faire. Parce que, on a construit ça. Et c'est ensemble pour se construire. Société civile. Et secteur politique. Nous n'avons pas vraiment gagné ça dans la culture. Nous, avons un problème qui posait pour nous, peut-être. Mais est-ce que nous, bailler population, on garantit ferme conférence qu'on a faite samedi 17 juillet? Garantie ferme conférence qu'on a faite samedi. Et, excusez-moi, la faite samedi à 9h. Et, on se dit que nous n'avons pas lieu. Ok. Ok? Parce que nous n'avons pas lieu, mais, nous pensons d'ici. Ce soir, il a connu. Vous comprenez? D'accord. Parce que, on est d'accord, donc là, il n'y a pas un petit genre. Donc, nous avons parlé de ça publiquement. On dit tout est une difficulté que tu as pour ça arriver. Vous comprenez? 6h05. Nous avons toujours été avec Magali Georges qui fait qu'on est fois ça, tout société civile impliquée, la publicité toujours dans la vie politique paysan. Il a arrangé pour mettre mise en garde civile, démarche nouveau autorité pour empêcher de tromper peuple haïtien. C'est passivité société civile qui est la cause pays a tombé dans la crise, ça d'après syndicaliste. En tout cas, Magali Georges, toujours dans le micro Jonas Doriska. On a pour nous dire tout, c'est que nous disons société civile là. Fait trop longtemps à spectateurs et observateurs, nous voulons accord. Parce que c'est parce que on peut être comme observateur qui fait qu'il y a eu des côtés liés à là. Donc nous décidons de comme acteur, pas acteur, vous pouvez placer. Mais l'autre dit acteur. Il y a un rôle de vigile, de sentinelle, vous pouvez y avoir autant de prisons. Non, vous ne pouvez pas finir clair, Magali Georges, puisque société civile là, tu as toujours une fonction ça, pour la veiller ça qui a passé. Mais l'autre dit acteur, est-ce que c'est pour que nous allions directement dans la gestion de l'État, de la chose publique? Non, c'est non, mettez compte, ça veut dire tout ça, nous voulons vous politiquer en fait. Et puis pour nous suivre, pour nous assurer nous que ça fait. Ok. Est-ce que la différence hein? Ok. Ok. Vous comprenez? Ok. C'est comme si là, on a un mandat dans l'élection, vous comprenez? Donc, la population veut faire un travail.
Mais ça passe, la population fait ce travail-là, et puis, il n'est pas assuré que le travail est fait. Pas d'aucun suivi fait, pas d'aucune évaluation fait. Vous comprenez? Donc, l'acteur, ce n'est pas nécessaire faire à la place, okay? Ce n'est pas nécessaire faire à la place des politiques, mais c'est faire une partie du travail qui n'a jamais été fait. Ok. Vous comprenez? Ok. C'est devoir pour rendre compte. Pour un compte. Et moi, nous-mêmes, les appels, nous sommes dans toutes les gens. Il n'est pas normal, nous avons dit que nous avons l'école, par exemple, pour qu'on ait un professeur mieux. Nous ne savons pas qui est-ce qui professe sa visite, comment elle a touché. Nous savons est-ce qu'elle fait travail ou pas le faire. Et dans le quartier, pour qu'il s'abagne de l'eau, 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 qui s'en fait pour l'arriver. Nous savons, donc c'est de ce rôle d'acteur, vous comprenez. Ce n'est pas acteur. Pour mettre des trois postes ministères, pour avoir une direction générale du département, non. C'est acteur, non. Force politique, c'est quand même acteur, c'est le monde qui a agi. Pour avoir une force politique, qui fait ça, il faut faire pour sortir de l'IA dans sa guerre. Pas quitter eux, c'est eux qui contrôlent les têtes, c'est eux qui font tout le bagage. Non, de ça, on a parlé. Ok, donc, en société civile. Qui accompagne la politique pour voilà. Que. En société civile beaucoup plus active, mais quittez-moi, Madame Georges, c'est un pile monde qui a suivi processus ça, recherche solution haïtienne à crise là, d'autant plus que nous pas vraiment gagné ça dans la culture, nous, l'aurait grand problème qui posait, pour c'est nous peut-être ensemble pour nous jouer une solution qui fait que. Porte-parole OPL là, Daniel Siriac, diocèse à prendre en compte société civile là, annulée hier jeudi, hein. Daniel Siriac, salué Demassal, il fait qu'on est OPL déjà paré pour participer à l'initiative ça, qui de réunir tout acteur dans la vie nationale là pour joindre une solution définitive en côté Daniel Siriac. Bon, pour rencontre, initiative des acteurs de la société civile et avec support beaucoup d'acteurs politiques, pour ça nous connaît, qui était prévoir, je dis à la priorité ouvrir une conférence politique et sous crise haïtienne, non? Objectif là, c'est déboucher sur un accord inclusif. Nous apprenons que les reportés pour samedi. Nous-mêmes, nous attendons de pied ferme. Que conférence politique ça, donc entre les acteurs haïtiens, donc les capables d'ouvrir et c'est là-dedans qu'on a participé, c'est dans balance ça que nous comme parti politique, avant-gardiste, nous avons mis trois nous, pour nous être ensemble avec d'autres acteurs de la vie nationale, les différents secteurs. Donc, comment nous capables de joindre un accord largement large? Ça veut dire qu'il y a une participation différents secteurs dans la vie nationale là. Et là, nous parler de différents secteurs. Nous voulons, normalement, pour société à, sous-prend les organisations de droits humains, nous pas une solution sans eux. Le secteur patronal, secteur privé des affaires, nous pas une solution sans eux même. Secteur syndical et secteur jeunesse, donc les organisations Petro Challenger, les organisations de femmes et les organisations paysannes, les cultes réformés, donc et disons, secteur religieux, donc l'église catholique, l'église protestante, secteur vaudou, ok, et y compris, ok, le dernier tiers du Sénat qui est en fonction, non pas, ouais, il y a une solution sérieuse, nous croyons qu'il y a un rôle, il y a capable de jouer dans la discussion qui pour mener nous dans un accord et inclusif, et y compris et les représentants du pouvoir judiciaire pour ce qui et reste du pouvoir judiciaire. 6h10. N'a toujours été là avec responsable non OPL côté organisation peuple capité au démenti un document cap circulé sur réseaux sociaux qui t'a fait croire OPL a fait partie cabinet ministériel docteur Ariel Henryan porte-voix OPL Daniel Siriac les mêmes dit malgré ses membres dire porte d'ailleurs vous j'étais bien loin causé et Médio Lambert Joseph Lamberlan et Ariel Henryan Daniel Siriac a fait qu'on écrit ça pas mandé pour gain marché pressé les propos posé acteur dans la vie nationale là chita parler pour joindre un accord qui intégrer toute société à écouter Daniel Siria qui est toujours dans micro collaborateur nous Jean-Philippe Marseillan. C'est le fait que nous voyons un papier qui a circulé et puis qui gagne nom ouvert là dernier comme quoi OPL t'a va gagner pour ta présent
dans une espèce de gouvernement de Ariel Henry, alors que nous-mêmes, nous n'avons aucune démarche de gouvernement avec Ariel Henry, que ce soit avant Jovenel Moïse de mourir, donc les Jovenel de fin nommer comme premier ministre de facto, et que ce soit après la mort Jovenel, dans le cadre protocole d'accord et non qualifié de sectaire d'exclusiviste qui signé vendredi dernier, qui t'a voulu faire sénateur Joseph Lambert président provisoire et qui t'a voulu récupérer Ariel Henry aussi comme premier ministre d'un gouvernement que nous pas connu qui gouvernement pour qui pays, parce que après la mort de Jovenel, donc la gouvernance haïtienne, donc ça appartient à la société haïtienne. Paul Paul OPL, Daniel Siriac, il regrette assassin Jovenel Moïse, assassinat Jovenel Moïse, facilité par répondre question à la justice pour toute criminalité commette dans le pays. Paul Paul OPL, fait qu'on est autorité yola, pas gain crédibilité ni compétence pour faire lumière sur dossier ça. C'est le l'autre gouvernement qui a sorti dans la société qui pral faciliter chef l'État avec reste victime différents massacres jeunes justice. Bloc avocat engagé pour libération prisonnier politique. Politique proposé acteur politique aller dans la Cour cassation pour choisir président provisoire. Ivikel d'Abrésil, Joseph Messenger, lui, Wendel Kokatelo, c'est Youn Ladeo qui devine diriger payant. D'après quoi doit être extrictissa, M. Caleb Jean-Baptiste, en côté déclaration. Nous-mêmes, moi-même, M. Caleb Jean-Baptiste, coordonnateur général, bloc avocat engagé pour libération prisonnier politique pour défense droit monde. Je dis, nous clairs. Nous venons pour nous dire avec la population haïtienne, avec le peuple haïtien, nous porter des propositions par là pour lui. Parce que faut que les gens qui font politique ici, il faut qu'ils soient cohérents. Avant, M. Jovenel Moïse, ancien président de facto, est mort, nous tous admettons que le mandat finit depuis 7 février 2021. Cela sous-entend que tout ça fait après 7 février 2021, illégal et arbitraire. Puisque nous-mêmes, nous t'ai déjà dit, selon et ça nous t'ai défini entre nous, consensus et décision qui pipe près constitution, nous pourrons aller dans la constitution, nous pourrons aller dans la Cour de cassation, nous pourrons choisir un juge. Parmi trois juges, qui c'est Wendel Kokatelo, Maïska Ivikel de Dabrésil, et puis Maïska Messène Jean-Louis. Eh bien, nous disons également, nous pourrons aller pour nous choisir premier ministre dans la société civile là ou bien dans la classe politique là pour nous faire un gouvernement d'entente nationale qui t'a gagné pour lui faire créer stabilité économique, politique et sociale dans le pays et qui t'a gagné pour lui libérer tout prisonnier politique. Je comprends très mal après assassinat crapuleux que nous profitons de justice pour le président de facto qui fait sous lui. Nous être que un pile leader politique commence à oublier tout ça où tu dit, et oublier si tu dit que mandat et Jovenel Moïse finit depuis 7 février 2021, nous est apprêté dans des combines. Nous-mêmes, nous clair, nous étions attachés avec et ça nous était déjà défini et qui ça nous était déjà dit parce que nous convaincus que madame monsieur Jovenel Moïse est fini depuis 7 février 2021. Ça veut dire tout ça prend après 7 février 2021, tout acte déposé après 7 février 2021 illégal et arbitraire. C'est pour ça. Et proposition par nous, c'est pour nous choisir un juge dans la cassation parmi trois juges ça, qui c'est soit nous choisir Vickel de Dabrésil, ou bien nous prenons Madame Wendel Kokatelo, ou bien nous prenons Messène. Et puis pour nous choisir un premier ministre qui a sorti dans la classe politique là, ou bien dans la société civile là, pour nous former un gouvernement d'entente nationale, qui a des jeunes là-dedans, qui a des diasporas là-dedans, qui a des militaires là-dedans, qui a des monde politique là-dedans. Et puis laisse ça pour créer stabilité dans le pays, stabilité économique, stabilité sociale, stabilité politique, et puis première action pour opposer ces libérations sur tout prisonnier politique, et puis pour Haïti, prévoir de développement pour organiser élections crédibles, honnêtes, démocratiques dans le pays. 6h15.
Gagne un central national ouvrier haïtien qui dénonce cet assassinat qui fait sous président républicain Jovenel Moïse. Dans la nuit 6 pour l'ouvrier 7 juillet passé à la, coordonnateur général CNOA Dominique Saint-Éloi Croix, Zaxa montré à clé, gagne une insécurité dans plus haut niveau l'État, et puis dirigeant pas de jambes prend aucune mesure pour finir avec la situation sans de payant. En côté, Dominique Saint-Éloi, dans micro collaborateur, non, Alix Gauthier. À travers CNOA, nous condamnons les crépilés qui fait sous Jovenel Moïse, sous inculpé Jovenel Moïse. Nous-mêmes dans CNOA, parce que nous condamnons, ça va dire que Jovenel Moïse sont innocents, ouvriers, victimes de Jovenel Moïse. Paysans, victimes de Jovenel Moïse. Mon quartier populaire, victimes de Jovenel Moïse. Je ne veux dire, nous-mêmes, nous gardons à qui passe, c'est ça, leur insécurité au sommet de l'État. Mais ils n'ont pas de assumer responsabilité dans empêcher les âmes entrer dans le pays. Ils n'ont pas de contrôler le territoire du pays. Et comment comprendre que dit que mes nèg entre pile zam ga entre yo nèg yo tout entre yo jeune zam mais c'est parce que frontière nous ouvert c'est parce que nèg yo la douane et aéroport zam passe rap facile nèg yo pas de gain contrôle rien dans pays a dit tout donc journée jodi a ça me forme d'oké Jovenel préparer propre poison et puis le goûter et nous t'a souhaité l'autre leader qui gain pouvoir toujours yo prend exemple qui exemple ça veut dire vous bien nous même dans c'est nous pas faire pouvoir nous en face depuis devant gouvernement qui paraît de pour répondre avec revendication de la classe ouvrière, paysan, moun quartier populaire, nous même n'avons pas souffre. D'abord nous même n'avons défendre, ça est l'intérêt de la classe ouvrière, n'a travaillé contre l'exploitation de la classe ouvrière, contre l'esclavage généralisé, contre l'occupation. C'est ça qui fait, c'est dans ça que nous sortis. D'abord cerveau la CNOA, nous même n'avons bataille contre l'exploitation. Et je dis à l'amour ça, il y a un pile soupçon. Et nous t'as souhaité que si la justice, pas oublier que Jovenel Moïse nous dit qu'il fouille de propre tout, il tombe là-dedans. Jovenel Moïse crase le système justice pays, il crase législatif, et Jovenel Moïse et finalement c'est celle qui était campée. Donc, ça veut dire pour bien d'où, c'est irresponsabilité l'État. Là, nous trouvons dans l'État qui n'a pas gagné justice, nous trouvons dans l'État qui n'a pas gagné une chambre de législation. Donc, ça veut dire ça vient rendre que le pays est libre. Insécurité généralisée, vient sembler dans le pays. Vous ne voulez pas dire ça qui a passé dans le quartier populaire, c'est Jovenel Moïse qui te mette. Et ça qui a passé dans le pays, mon pas traversé Almatissan, massacre Belé, massacre Cité Soleil, massacre La Saline. Donc je ne veux pas oublier que vous avez toujours dit Jovenel Moïse complice dans tout ça. Jovenel Moïse complice dans mettre Genève campé au pouvoir. Déclaration Dominique Saint-Éloi n'a venu avec l'autre déclaration syndicaliste en fait hier dans micro la presse. Mais avant de venir avec l'autre déclaration Dominique Saint-Éloi, on venait avec déclaration ça ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui écrit message ça sous compte Twitter li. Ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte à travers un tweet qu'il fait, li plaidé en faveur d'André en création tribunal spécial international. Jean Oti fait ça pour Sierra Leone pour capable juger assassin président Jovenel Moïse. Pour nous dire bien, dans l'année 2002, ONU t'a metté quand ça relé un tribunal spécial pour Sierra Leone pour être capable de traiter tout crime qui était fait contre cette population. Haïti lui-même doit recevoir même traitement ça et permettre qu'il est capable de s'en aller. Un tribunal spécial pour capable poursuivre assassin qui lui-même éteint la vie président Jovenel Moïse. C'est ça, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte écrit ce code Quidoli. Depuis après assassinat chef l'État Jovenel Moïse par un commando qui composait de Colombiens et Américains d'origine haïtienne, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte qui passe 6 semaines réclamer justice pour le président Jovenel Moïse. Nous songez, premier tweet, ancien PM Lamotte, t'es écrit qu'on est fait qu'on est, c'est un commando qui rivait rentrer la caille président, Léo Tapenté, il a fait être passé pour agent Andillé. Nous songez tweet ça, mais depuis lors, qu'il a assassiné un président Jovenel Moïse, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte, qui passe 6 semaines plaidé en faveur de Sandrilé,
justice pour chef État et dernier salaire qui se contribue à l'âge, monsieur Dino là, côté les réclamer, la demander avec ONU, demander avec autorité yo, pour capable créer, s'enrêler, un tribunal spécial international. Même j'ai fait ça pour pays Sierra Leone, qui était, permettre pour être capable de juger tout le monde qui était fait attaque contre la population civile, mais ça, en Haïti, c'est pour capable de joindre, juger tout le monde, tout assassin, tout auteur, co-auteur, qui doit être tout campé dans un assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse. C'est ça, en CPM, la mort écrit sous compte Pudery. Nous, après tout, nous avec Dominique Saint-Éloi, fois ça, c'est sous un autre sujet. Centrale nationale ouvrière ici, au fait qu'on est, il n'y a pas supporté président Tiresina Joseph Lambert pour venir mener bac payant pendant un petit bout de temps. Jean-Pil Secteur a demandé ça. D'après le coordonnateur général CNOA, Dominique Saint-Éloi, si Lambert président, il n'y vient travailler dans l'intérêt pays, au contraire, c'est continuité régime PHK la vient faire dans payant. En côté, Dominique Saint-Éloi, toujours dans le micro, Alix Gauthier. À travers ce NOA, nous demandons pour tout peuple haïtien, pour tout secteur, de mettre tête ensemble, pour doter le pays, un gouvernement de consensus avec tout secteur, et puis faut que tout le monde la donne. Et puis un gouvernement qui pourra rétablir l'ordre constitutionnel du pays pour faire bon genre élection honnête, libre. Pour les haïtiens capable de choisir les gens qui ont fait confiance pour mettre représenté dans le Parlement pour défendre l'intérêt de la classe. Et pour venir ça on peut établir le pouvoir judiciaire normalement. Donc nous-mêmes, c'est ça que nous-mêmes nous étions en attente. Donc, comme nous, la CNOA, et via avec à travers la société civile, nous sommes en discussion avec un pile de partenaires, tant que secteur paysan, secteur droits humains, et des partis politiques qui sont honnêtes, qui sont crédibles dans le pays. Donc nous en discussion ensemble avec eux. Et cette fois-ci, je demande avec politiciens d'Okaleo, mais si traite à la nation, reste avec, même avec Jovenel Moïse, même Jacques Matéli, pour rejoindre la commission droits humains qui a discuté, qui en pour parler, pour joindre une solution à l'haïtienne. Ça vient là, c'est une question haïtienne qui vous met tête ensemble. Et d'abord, nous-mêmes, nous prêts pour nous condamner l'action l'ONU à travers Mme Laline, qui dit qu'on a supporté Joseph Claude, qui n'a pas rien, et finalement, qui c'est une complice. Donc, je veux dire, les gens qui ont décidé, qui ont demandé justice, qui ont dit qu'on va mener une enquête pour Jovenel Moïse, c'est les gens qui ont répondre aux questions devant la justice. N'a toujours été dans même dossier ça côté là que ça qui est pour avec la mort président Jovenel Moïse là gain bureau national écologie qui a dirigé par Erol Josieu qui a annoncé sur page Facebook li que gagnon espace mais réservé là dans niveau bureau national écologie pour monde vienne exprimer sympathie et puis déposer bouquet fleur à cabalène après assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse là. J'ai ça selon bureau national écologie, c'est une façon pour dénoncer Zaka tragique ça qui touye une autre fois encore symbolique qui cachait derrière fonction présidence là. C'est un moment tout pour Biwa inviter tout le monde à la ronde badé sous Zaka assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse donc qui c'est un phénomène qui répété 5 fois dans pays non. Selon ça qui écrit dans notre si la bureau national ethnologie en dans notre ça voyez sympathie là bah, population haïtienne non famille président et spécialement madame ak petit li depuis jeudi et alors depuis hier jeudi a débile fait 9h environ débile fait 9h pour arriver 3h après-midi n'a parlé hier jeudi a biwa l'ouvri espace misé ethnographie hein, pour cela qui souhaitait passer déposer flèche ak baleine et puis quitter un dernier mot dans mémoire président république non biwa rappelé ak moun k'ap vini yo pour marcher ak masque pour dire cachné n'a Biwa rappelé, il y a en face palais, alors il y a en face palais, à quelques citoyens, t'es déplacé à le déposer bouquet fleur avec bougie dans mémoire président République, là, Jovenel Moïse, qui mourut assassiné dans la nuit, 6 pour l'ouvrir, 7 juillet 2021 passé. Central Travail ici a annoncé funérailles, c'est secrétaire général René Préville qui était perdu la ville, Bakonavirus. Coordonnateur adjoint, c'était à Charico Palais. Dolce expliqué camarade des victimes à cause de pas de cajouen.
Timoso Lasoya n'a aucun l'hôpital en côté Rico Palès Dolce Namiko Alix Gauthier. On a parlé de un gros garçon pour nous dans le mouvement syndical là qui c'est René Préville Joseph, ancien secrétaire nous permettons dit ça de regretter mémoire qui dans jour passé yo attaqué par coronavirus ou bien qui était infecté et par suite nous avons tapé transféré l'hôpital dans petit frères et sœurs. Malheureusement, tout problème que contre yo camarade René Préville Joseph dès qu'on a bataille des recommandations que camarade René Préville dès qu'on a fait à gouvernement suite à deux constats regrettables, deux constats manqués de gouvernement haïtien yo, deux problèmes que on pas jamais voulait ou bien décider faire face avec eux pour affronter yo et venir avec des solutions palpables qui étaient capables d'améliorer la situation de vie population. Hein. Camarade Préville, il n'est pas un jour ça et il est victime suite à tout ça que lui-même était estimé qui pas droite dans la société. Hein. Les victimes de ça que le tape critiqué lui-même, les victimes de ça que le tape mandé pour que gouvernement haïtien yo te prend en compte en termes de service à la population. Donc, suite à maladie ça, que l'État haïtien pas fait rien en termes de prévention, en termes de préparation, en termes de mise en place de infrastructures sanitaires, fait que camarade Préville arrivé à l'hôpital. Problème oxygène, problème gaz, transport en retard, parce que pas de carburant pour mettre dans la machine, fait que camarade Préville pas arrivé à temps à l'hôpital pour nous prendre soin que calte nécessité et finalement lui décéder. N'a toujours été là, non même information si là, yola. Nous connaissons depuis après la mort président Jovenel Moïse, non. Gagné s'enrélé en vide institutionnel d'après différents acteurs, yo, et débat. Li mettait sous sa tour. Gagné en pile acteurs en Haïti qui réagit, même gens. Gagné ensemble ambassadeurs qui accrédite en Haïti, qui réagit sous ça. C'est Eka pour ambassadeur pays la France en Haïti, à qui c'est José Gomez, qui dit et qui écrit. C'est un seul dialogue. Seul dialogue inclusif, un dialogue à côté tout acteur à entrer la donne qui capable éviter pays à tomber dans un chaos. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pays la France en haïtien. José Gomez, dans le discours li prononcé dans l'occasion fête nationale la France nanda qui était 14 juillet passé à là dans semaine qui donc un crédit, li fait qu'on